Salut les fans de hockey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur NHL 24. Comme chaque semaine, on va ouvrir nos récompenses Rivaux et Clash. On est en plein événement Evo les amis, c'est ça qu'on va viser en priorité dans nos packs. Ça serait vraiment trop cool. Juste avant de cliquer pour les récupérer, si vous aimez la vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater de cette saison sur HUT24. Et gros merci à ceux qui laisseront le pouce bleu, ça m'aide beaucoup, merci à vous. Sur ce les amis, on est parti. Hop, on clique et comme les deux semaines précédentes, les amis, je suis en division 5, j'ai grindé jusqu'à l'argent. Du coup, on a le choix entre le pack joueur échangeable et les collecteurs or. Les deux packs joueurs non échangeables ou 7500 pièces. Sentant que 7500, on laisse. Comme d'habitude, on va prendre nos deux packs en non échangeable. Voilà, il nous faut un max de joueurs pour tenter les évos. Allez, on se récupère ça. Hop là. Et on les a bien dans notre inventaire, les amis. Allez, il nous faut de la grosse pack luck dans cette vidéo. Première récompense Rivo et Clash de l'événement Evo. Allez, de gros espoirs sur ces packs-là, les amis. 5 joueurs. Non, 10 joueurs. 5 or, 1 80+. S'entend que le 80+, maintenant, on a peut-être des chances. On a double chance d'avoir des Evo. Parce que Lafrenière, entre-temps, je crois, a scoré 2 buts. Enfin, en tout cas, est monté 80 aussi. Donc, on a maintenant un Master 7 et Lafrenière en 80 Evo. Allez, est-ce qu'on peut avoir de la grosse pack luck, les amis? On est parti, on s'ouvre le premier. Allez. Allez, le jeu. Ah, allez, allez, allez. Ok, on commence par un petit joueur argent. Ok, Shea Weber, 75. Oh, une petite carte moment. Ok, une 80 qui est restée en bleu. Ok, deuxième skin moment sur Joseph Wolf. Wall, j'allais dire l'appeler Wolf, mais non, c'est Wall. Argent. Ok, 75. Allez, putain, pour l'instant, c'est pas de la grosse note, hein. Ah bah d'ailleurs, le pool 80 est tombé, les amis. Avant-dernière, 76, et sur la dernière... Oh là là, dégueulasse. Eh bah, une simple 80, les amis, en skin moment. Voilà, c'est le changement de skin qui m'a un peu induit en erreur. Je pensais plus que la 80 était déjà tombée. Eh bah, le pack est affreux, les amis, pour commencer ses récompenses Rivaux. Heureusement, on en a un deuxième. Allez, le jeu, faut se rattraper. Allez. Ok, oh là là, seulement 80. Les amis, ça tombe sur le premier pool. Celle-là, c'est bien allumé en orange, par contre. Allez, il nous faut quelque chose d'autre dans ce pack, là. Allez. 76, c'est nul. 75, c'est encore pire. Oh là là, petit argent. Oh, 75. Oh putain, pour l'instant, on dirige vers nos pires récompenses Rivaux. La troisième semaine. Weber en doublon. Oh, puis, oh, carrément une bronze, les amis. Oh, c'est affreux. Avant-dernière, 63. Et sur la dernière. Oh, aïe, 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 aïe. Eh ben, 63. Eh ben, les amis, nos récompenses de Rivaux cette semaine, elles ont été dégueulasses. On va espérer avoir beaucoup mieux dans les récompenses de Clash, les amis. Voilà, c'est disponible Elite 2, du coup, cette semaine. J'ai bien charbonné, je suis assez content. Du coup, on se récupère ça. Hop là. Et on file dans l'inventaire. Pack non ouvert, du coup. On a un pack avec 15 collecteurs argent. On en a un de plus qu'en Elite 3. Voilà, ça va être graduel. 14, du coup, en Elite 3. 15 en Elite 2, sûrement. Bah, du coup, 16 en Elite 1. On verra si on le fait dans l'année. Et les packs, ça va être un peu meilleur. On a un jumbo joueur NHL, du coup 20 éléments, 15, 10, 80 plus. Et le pack est toujours le pack joueur jumbo premium, 20 éléments, 5, 80 plus. En fait, c'est le pack, du coup, c'est le pack joueur NHL, 10 éléments, 4, 80 plus, remplacé par un pack bien meilleur. Mais on le sait, les amis, sur la chaîne, j'en ai ouvert pas mal. Et c'est toujours le pack qui me déçoit le plus. Donc, on va voir si cette semaine, c'est différent. Il faut, après, des récompenses de Rivaux totalement affreuses. Allez, on commence par le jumbo. Par le joueur Jumbo Premium. Allez, c'est parti. Allez, les amis. On veut une Evo. Une Evo là-dedans. Allez. Allez, il nous faut quelque chose de bien, les amis. Ok, on commence par un petit joueur. Des Barracuda. Ok, petit joueur. Premier argent, ce sera une 80. Ok, petit 60. 62. 82. Putain, 62. Non, peut-être pas autant. 82, c'est mieux. Ok, 74. Moi, c'est NHL. Autre orange, 81. C'est la troisième sur les 5 garanties déjà. 82, Nick Suzuki. Ok, Udon, ancien des Canadiens. Harvey Pinard. Ah, je l'avais déjà.
Allez, une autre orange, 80. Et bah, c'était la cinquième qui était garantie, les amis. Possible qu'on ait rien d'autre là-dedans. Allez. Allez, même les bleus, les amis, ça peut être un poulet veau. C'est ce qu'on vise. C'est pas ça. Oh, une petite équipe de la semaine. Ok. Je trouve le skin, pareil, très sympa cette année. Carte équipe de la semaine en 76. Malheureusement, on n'en fera rien du tout. Allez, plus que 3. Jordan Harris pour compléter ma collègue des Canadiens. Ou une orange en bonus, mais en 80. On sent qu'ils peuvent presque se la garder. Et sur la dernière, on a une petite 76. Au moins, c'est de la NHL. Bon, et ben le pack, il est affreux. 82, les amis. Aïe, 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 il faut battre 82 dans ce jumbo joueur NHL. Les récompenses de la semaine, pour l'instant, sont dégueu. Allez. Allez, rattrape tout. Rattrape tout dans ce pack-là. Allez. Ok, j'adore commencer par une petite simple 80. 81 avec Ronek, ça monte. 82, oh, est-ce que c'est 83 sur la quatrième carte? Ah bah non, non, ça on connaît. 78, 81. Ok, 74, oh, que 80. Oh, aïe, 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 aïe. Putain, oh là là, y a rien, y a jamais rien. J'ai vraiment pas de bol, les amis, en ce début de jeu. 79, 81, on a passé la moitié du pack. Oh, 79, Giovanni Smith, 80. Et ben on est dans les 5 dernières, on est dans le dernier quart, les amis, du pack. Et pour l'instant, et ben on n'a rien eu du tout. 81. 76, pardon. Allez, les trois dernières. Allez, putain, laisse-nous quelque chose de bien. Bah voilà, un petit bug. Laisse-nous sur la Robin Lehner 79 qui s'allume en 80+. Allez, plus que deux. 82 sur l'avant-dernière. Et sur la toute dernière carte, du coup, les amis, de nos récompenses hebdomadaires, on a du bleu 79. Même pas une 83, les amis, dans ces récompenses de la semaine, Rivo et Clash. Eh ben, putain, qu'est-ce que ça vaut le coup, les amis. Aïe, 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 affreux. Heureusement qu'avec tout ça, il y a quand même 15 000 pucks et 15 collecteurs argent. J'ai presque le goût de pas poster les vidéos, les amis, tellement ça m'a dégoûté. Mais non, allez, on va passer à autre chose. Les amis, on va terminer la vidéo du coup dans l'équipe pour un petit team update. Voir avec quelle équipe du coup j'ai pu grinder les objectifs de la semaine pour faire les collecteurs Evo gratuits. Donc sur le premier trio, toujours Saku Koivu comme premier centre, avec Kuznetsov en 85, et le Master 7 Mitch Marner en 85, toujours la technique de monter les Master 7 d'événements en 85 pour éviter de perdre un collector bonus. En deuxième ligne, j'ai fait le centre Nico Hischier, avec Henri Richard et Suzuki que j'ai déplacé à l'aile. Un top 6 qui va très bien, ça a scoré pas mal de buts, j'ai déjà scoré du coup tous les buts nécessaires pour avoir les collectors. Ensuite, en quatrième ligne, on a Barkov avec Stamkos que j'avais acheté, que j'ai voulu essayer, et Rebecca Johnston. Sur le quatrième trio, Chris Draper que j'ai packé le premier soir de l'événement. Premier pack que j'ouvre, 3 joueurs or, Chris Draper dedans. Donc c'est cool, ça m'a permis de grind les objectifs un peu plus rapidement. On a le Joe Thornton qu'on nous file en attaque RH. Les amis, c'est un 80, mais je crois que j'ai jamais joué avec un joueur aussi lent que lui. C'est abusé, c'est pas un tracteur qu'il a accroché aux fesses, c'est un avion carrément. Ah, j'ai jamais vu un joueur aussi lent, et les amis, si vous jouez à l'attaque RH, vous le sentirez sûrement aussi. Dites-moi dans les commentaires, mais non, on a l'impression qu'il a pas 80 de vitesse, mais plus 70. Affreux. Mais bon, il a servi quand même. Et Alex Burrows, du coup, pour compléter ce quatrième trio. Et en défense, on a Devon Taze en 85. Du coup, je me suis fait 3 Master 7 en 85 première semaine, plus les deux autres. Du coup, je jouais 5 matchs à la fois avec des prototypes. Avec Kyle Makar, j'ai reformé du coup la première paire du Colorado au club. Assez cool. En deuxième paire, on a Dan Boyle avec Rasmus Dahlin. Et en troisième, Morgan Riley avec Adam Fox. Et devant le filet, on a toujours Linus Ullmark qui fait du très bon boulot. Il avait très très mal commencé la semaine, les amis, en clash. Faisant des matchs dégueulasses, mais il s'est très très bien rattrapé. Du coup, il a des stats plus ou moins similaires du coup à ce qu'il avait pendant le dernier team update. Je pensais qu'il allait vraiment dropper, mais non, il s'est bien rattrapé. Ça, c'est cool.
plus cool que les récompenses qu'on vient d'avoir en Rivaux et Clash, on s'entend. Bon, eh ben les amis, je pense que c'est là-dessus que je vais vous laisser. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, surtout ça m'aide beaucoup. Les stats, merci beaucoup. Merci aux anciens d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux, on se revoit dans la prochaine vidéo. Et en attendant, bon jeu à tous et portez-vous bien. Salut.